Ça marche l'eau? Ouais, on dirait. Attends, ouais. Ok. Bien, tranquille. Tu réglages? Visibilité? Ouais. Bonsoir, bonjour. Comment dire? Je m'appelle Éponyme, MC Éponyme pour ceux qui connaissent. Ça, c'est mon livre. Éponyme. Les frasques. Un joli dessin, voilà, ça donne ça. Vous voyez, c'est joli, c'est moi qui l'ai fabriqué. Comment dire, je suis censé faire des spectacles dans des lieux et des résidences et des salles de concert et des bars partout en France et Navarre. J'ai un problème, c'est que je dois envoyer des vidéos, mais comme j'ai jamais fait mon spectacle filmé quelque part, personne n'a de vidéo. Alors, je vais faire cette vidéo qui ressemble à un concert, mais qui n'en est pas un. Ça ressemble à une répète, en fait. Parce que je suis tout seul. Ouais. Je suis seul tout, quoi, avec peu de moyens, comme dans le rap. Comme ça, je suis dans mon... Enfin, je suis dans le garage de chez mes vieux. Big up. Ouais, big up. Et sinon... C'est censé être ma promotion, donc je vais essayer de la faire bien quand même, tu vois. Alors vous voyez, c'était le début des années 80, quoi. Hein? Big up, tout ça, pam pam, ouais. Est-ce que ça va? Bon, alors il n'y a pas de public, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de fond sonore, il n'y a même pas un beatboxer pour faire du pouk. Ouais. Vous avez entendu là-bas, c'était voilà, représente. Alors donc le mieux, c'est de faire un texte de rap a cappella, comme un bon vieux rappeur qui sait faire un texte a cappella. Voilà. Alors le spectacle en général, enfin le spectacle concert, le concert spectacle, le livre concert spectacle, donc le livre concert spectacle commence par un texte qui s'appelle Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ouais. Est-ce que vous aimez le hip-hop non-stop? Ouais. Et ce texte s'appelle Est-ce que... Est-ce que nous avons tous en nous un Waffen SS? Est-ce que nous aimons tant que ça être tenu en laisse? Est-ce que nous sommes encore cet enfant qui va à la messe? Est-ce que tout ça doit se conclure par des histoires de fesses? Est-ce que c'est ça nos vies? Sans cesse être novice, sans voir où sont nos vies, s'avancer, tête baissée, sans nuancer, nos pas cadencés, nous faisant foncer vers ces griffes acérées. Faites pour nous des peu, c'est sans cesse se rabaisser, faire semblant d'exister, jamais crever l'abcès, et finir par se mettre son décès. Est-ce que nous ne serons jamais lassés de nous laisser aller à la domination? Quand est-ce que le passé va nous faire cesser ces abominations? J'en ai assez de me faire casser par le dogme des nations. Je dis, agissez en vous souciant de votre simple intuition. La vérité, la liberté, c'est bien plus qu'une simple notion. Est-ce que nous serons toujours tenus par le bout de la queue? Tout ça là que le esclave, une fabrique de pensées lubriques, d'un manque de pratique et l'humeur tragique prend le dessus parce que nous osons dire que dalle à ce que nos silences acceptent, que de préceptes, que de déceptions. Il n'y a que les esprits belliqueux qui font que chacun soit mesquin, chacun soit contre l'autre comme des requins, chacun fait ce qu'il peut pour être quelqu'un. Mais l'avenir par la guerre, il n'y en aura aucun. Dis le contraire, tu passeras pour un con. Que faut-il faire enfin pour que nos querelles se scellent sur elles-mêmes sans y mettre à chaque fois des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de quenelles? Est-ce que tout ici-bas n'est que bassesse? Balai incessant de face à face, histoire de fesses, histoire de fer comme les princes et les princesses. Mais quel principe nous émancipe quand on se fait tailler au... Pièce poussée dans le précipice, estimée comme de la pisse, sans rien pour faire des listes. Désir d'avenir, désir d'allégresse, désir d'aller dire aux débiles qui décident d'arrêter leur délire. Un désir d'aller en Grèce, chasser des éminences grises, parce qu'un peuple en liesse vaut plus que toutes les liasses de ceux qu'on engraisse. Bête comme des oies, on encaisse, on passe à la caisse à chaque fois, alors qu'on peut très bien se passer de ceux qui nous font trépasser. Contre un salaire de fric vicieux qui rend vicieux, évasif, vieux, c'est viscéral, toutes ces vicissitudes sont dignes d'une vie carcérale. L'addition est trop salée, si seulement c'en était assez, nous serions déjà si loin de ce constat glacé. Est-ce que nous avons tous en nous un Waffen SS? Est-ce que nous aimons tant que ça être tenus en laisse? Est-ce que nous sommes encore cet enfant qui va à la messe? Est-ce que tout ça doit se conclure par des histoires de fesses? Ouais! Bon alors, ouais, ça manque de chaleur tout ça. Il y a donc pas de public. Ça te dit qu'elle est censée mettre un petit peu l'ambiance. Après, j'enchaîne. Cache, tu vois. Avec le The Text of the Eponyme. Because it's me, Eponyme.
Éponyme. Bon, bah vous avez E-P-O-N-Y-M-E. Qui veut dire que c'est défini de lui-même, éponyme. Si je fais un album éponyme qui s'appelle éponyme, ça sera un album éponyme d'éponyme. Et ben ce texte-là, il s'appelle Briser les masques. Ça commence comme ça. La chorégraphie, je l'improvise, hein, mais... À ce qu'on dit, sans condescendance, tout se fait à couvert. À coup de combine qui rend vert de jalousie, tout ce qui laisse faire. Chacun ses manières de sortir la tête du trou. Chacun se débine fier de prendre ses jambes à son cou. Ses chines sans routine, à séparer les coups, sans se parer des coups. Chacun se devine sous un masque qui rend fou. Mais d'un geste brusque, brisés sont les masques, parce que sous la chair flasque, espère un cœur chevaleresque, abat les masques, presque, autant de vivre sans armure ni casque, ni quoi que ce soit de cauchemardesque. Quand est-ce qu'on efface ce qu'on a fait de faux? Car il faut bien une fois assumer ses défauts, on en fait tous combien de fois, elles nous assomment, mais quand certains tirent la somme de leurs erreurs, d'autres dans l'horreur d'un leurre ramassent des sommes indécentes, qui payent le prix de notre erreur. À ce qu'on raconte, on est encore loin d'un temps rocambolesque, d'aventures fantastiques. La symbolique d'une obole de paix se fait la malle devant l'appétit gargantuesque de seigneur de guerre. Pas de bol, de près, de presque lui sauver la vie, on aurait pu. Car quand on quand on tue, est-ce qu'on n'y perd pas plus? Sous le masque des techniques dorment les massacres ethniques, consacrant les fausses éthiques d'être fait de toc. Briser les masques n'apportant rien de grotesque, ces grimaces sont quelque peu burlesques. On s'embusque jusqu'au point de s'en offusquer. Et ceci est si romanesque, pittoresque, qu'on en est presque aussi flasque des mollusques. Bien loin d'un romantisme, mais d'un geste brusque, d'une violente bourrasque. Jeter sont les frusques et briser sont les masques. Allez, on y est presque sans cacher son optimisme. Et d'un geste brusque, briser sont les masques, parce que sous la chair flasque, espère un cœur chevaleresque, abat les masques, presque, autant de vivre sans armure ni casque, ni quoi que ce soit de cauchemardesque. À quand la fin d'inventions inefficaces, comme le flic, le fisc, le fric, les arnaques, les objets en vrac, le bric-à-brac, fait de bric et de broc, pour lesquels on baisse son froc sans fracas, prendre le bic pour une fresque de gens souriants, sans feu factice, sans phare, sans masque, briser les masques, c'est l'épopée d'une nouvelle époque, sur une planète pour tous la même, les... Poulap, sur une planète pour tous la même, les frasques éponymes sont le traumatisme de la rime. Si ça c'est pas du hip-hop, moi je sais pas d'où ça vient, mais ça c'est bien du hip-hop, non-stop. Yeah man. Ouais, alors après, normalement, numéro 3, j'enchaîne. Ouais, j'enchaîne, tu vois. Donc, t'imagines, il y a une musique de fond, tu mets un petit CD avec des instrus rap fait par un copain, tout ça tranquille, quoi. Et, ou alors, carrément, t'as un DJ dans la place. Et là, c'est la fête. Ou alors, si tu te fais un style un petit peu plus branchouille, tu mets des musiciens acoustiques, tu vois, tu fais du hip-hop acoustique. Là, la révolution sonore, quoi. Ouais. Et donc, en numéro 3. Après avoir foutu le feu avec ces deux textes, t'as vu, je suis un peu vert, jaune, rouge. Enfin, c'est du violet, mais on va dire c'est rouge. Parce que, voilà, ce texte, vous allez comprendre pourquoi vert, jaune, rouge s'appelle Déjà blessé. Déjà blessé? Tu me demandes si j'ai ressenti ce sentiment d'être blessé, déjà blessé. Mais j'en suis plus à mon premier galop d'essai, sans prendre des galons ou des galoches dans la ganache, tel un golem, sans sa colère, déjà blessé. C'est le panache d'une panacée. Jablesse. Peut-on encore ressasser les menaces faisant de nous des angoisses bouleverses? On est tracé, dépassé, entassé et balancé dans une impasse. Peut-on se délasser, se prélasser quand on sait qu'on est loin d'être débarrassé de l'insensé, taxé, faussé par le fossé de la bourse? On est forcé de se vexer, offensé, gare à celui qui sera le premier courroucé, agacé par des oppresseurs qui nous sommes, de ne pas cesser d'acquiescer pour tous ceux qui furent déjà blessés. Mais c'est assez, pas d'annonce, rien à confesser, je n'ai que ça à prononcer. Déjà blessé. Sais-tu que quand je dis déjà blessé, je me rappelle avoir été déjà blessé, mais sais-tu passé comme toutes ces fois où je me sentis délaissé, car de côté j'ai laissé ce sentiment d'être lassé, harassé, d'être en vie, sans avis, vidé, dépassé par des événements déboussolants. Je reste debout à penser des blessures, sûr de penser des horizons d'azur, et je dis assez, disparaissez à toutes ces heures assassinées.
Déjà blessé par le poids de pensées mensongères, les songes amers d'hier qui sont de puissants destructeurs, car on est déjà blessé devant hisser le drapeau de ceux qui nous ont précédés, car on est déjà blessé devant... Pull up! Car on est déjà blessé d'un procédé décidé de faire de nous des décédés, de faire céder sans décence tous nos sens, dont la douceur nous émise à la sagesse et l'innocence. Déjà blessé, digéré, rongé par des régies illusoires, des plus meurtriers, des plus vils instructeurs, loin de gérer une émotion qui m'a poussé à vider l'encrier, mais j'ai trié le bon grain de livrer juste pour livrer ce message à tous ceux qui furent blessés. Blesse. Comme rendre la monnaie de la pièce au mauvais rôle de l'existence, se sentir des patience, à trouver le sens des passions, on est en liesse de vibration, la vibration bien loin des scissions de la nation, la sensation de mettre un système en cessation de paiement, mais en y allant gaiement, en souriant vraiment, un délice de délassement, aimant la vie tellement fort qu'on se tient collé comme des aimants, des amants, des amis, des armées, désirant résider sans incendie, sans incidence, sans présidence, sur un bout de terrain, sans faire de résidus, et qu'on le dise pour être détendu, sans qu'on cotise et sans qu'aucun prix ne soit dû. Est-ce donc si dur de sortir de ce monde de serrure? Job bless. Peut-on encore ressasser les menaces faisant de nous des angoisses, bouleversées, on est tracé, dépassé, entassé, balancé dans une impasse. Peut-on rester impassible, se délasser, se prélasser, quand on sait qu'on est loin d'être débarrassé de l'insensé, taxé, fausse, par le fossé de la bourse, on est forcé de se vexer, offensé, gare à celui qui sera le dernier courroucé, agacé par des oppresseurs qui nous sommes de ne pas cesser d'acquiescer pour tous ceux qui furent déjà blessés, mais c'est assez, pas d'annoncer, rien à confesser, je n'ai que ça à prononcer. Ja bless. Oh. Oh. Oh, ça c'est de l'émotion, ça c'est de l'émotion, ça, ouais, ouais. Ça c'est émotionnellement intense, quoi. Ça c'est. On va pas dire c'est du rap intello parce qu'on a pas envie de se prendre la tête, mais c'est. C'est émotionnellement intense, quoi. Vous avez compris, quoi, de quoi je parle. Donc si vous, en face là-bas, vous voulez voir l'intégralité de ce spectacle, eh ben c'est très simple. Vous devez juste accepter que je vienne jouer ce spectacle, ce concert-spectacle, à mi-chemin entre le rap, le hip-hop, la poésie. J'ai appelé ça le hip-hop poésie lyrique représente. Ouais, big up. Ouais. Bah, une petite dernière quand même. J'ai pas l'habitude, hein. Une petite dernière quand même. Parce que voilà, ça fait déjà 12 minutes. J'ai fait 3 textes. 12 minutes, ça fait 4 minutes de moyenne. C'est plutôt une bonne moyenne, sachant qu'il y a 13 textes. Tu fais 13 x 4, ça fait 40 plus 12, ça fait 52 minutes de lyrics. Sachant qu'il y a des transitions entre chaque texte. Sachant que je suis capable de foutre le feu à n'importe quelle baraque. Ah. On va se calmer et on va faire un petit dernier texte comme ça entre nous, entre intimes, tu vois. Faut pas que je me plante quand même. Ce serait con de se planter. Quel texte je vais pouvoir prendre? Ouais, ouais. Bah, non, normalement, dans la suite, après celui-là, dans la suite, c'est je vais pas vous le dire. Parce que c'est pas dit que c'est celui-là que je vais faire. Mais si je devais faire celui-là qui me branchouille le plus, je vais faire celui-là. C'est une licence artistique, poétique, qui pourrait me faire rentrer à l'Académie française. Si seulement j'avais peut-être envie un jour d'y aller, tu vois. Genre, ouais, je vais porter une épée dans mon slip. L'Académie. L'Académie française, ouais. Artiste. Mais du verbe artister. J'artiste. Tu artiste, il artiste, nous artistons, vous artistez, ils artistent. Ce texte s'appelle J'artiste. Et puis j'artiste sans merci, sans vouloir être remercié, gardant le plomb dans son canon scié, c'est si grossier de devoir négocier alors qu'on n'est qu'un numéro de dossier. J'artiste, je suis pas policier, ni huissier, ni justicier, juste ici pour vivre la vie qui me sied. Je ne vais pas justifier les faits princiers entre financiers, dépensiers et créanciers carnassiers. J'aimerais qu'on soit gracié de cette vie de pénitencier. Tous les empereurs sont faits d'or et d'acier, même quand il s'agit du grand Sélassié. Et quand j'artiste, c'est pas triste, j'insiste, il reste des places assises. Alors pourquoi faut-il que l'on m'assiste, nourri par la main que je mords, mon revanche sans remords. J'erre encore au pays des SA, mais ça c'est parce que je suis au RSA, c'est ça. On peut plus passer de l'assistana, mais on peut te laisser trépasser. Tu mets ton nom au bas de la liste, c'est instantané, tu peux plus désister. Alors j'artiste pour résister, une chance pour faire exister une solidarité incontestée, désolidarisée de son côté institutionnalisé.
Tu veux tester l'art nationalisé, banalisé comme un crime de lèse-majesté. J'artiste pour prétexter un semblant humaniste, la vétusté d'une pensée utopiste pour riposter face à tous les je m'en foutiste. J'artiste pour pas baliser, pour le pitre de l'Elysée qui joue les arbitres et ses ministres sinistres qui nous administrent dans un nouveau registre. Je joue des airs bizarres dans un désert d'air cuisse d'être triste, semblant vivre en vase clos sans avoir voix au chapitre. Et c'est pour ça que j'ouvre la coquille d'huître des arcs à... Des arts que j'adore, je découvre le désir de colorer la terre des couleurs qui enivrent, désarment et dédramatisent, atténuent les alarmes et poussent lâcher prise en ces temps de disette et de crise. J'artiste des couleurs sans édulcorant pour ceux qui adulent la Bible, la Torah et le Coran. Je suis pas au courant, c'est pas en courant que j'éviterai de partir dans le décor, d'accord. J'artiste pour encore faire éclore la boîte de Pandore, en laisser sortir le bien qui y dort pendant que dorment les monts d'or qui payeront nos morts. D'autres morts de la poussière épousent la misère. Alors j'artiste pour nos mères et nos frères, j'artiste pour nos emmerdements, nos dédommagements, pour nos demandes qui n'en démordent pas d'être remises à demain. J'artiste, c'est décidément, c'est dément. J'artiste de doux lendemain, bâtir avec mes deux mains. Demain pour faire loin des gangs de vautours, je veux du lourd, l'art comme grand frère, faire comme Gandhi, dire sans prendre de gants qu'un rêve de paix n'a rien d'extravagant. J'artiste, je sais que c'est vague, je sais que c'est en vogue, j'artiste, me voilà voguant sur le flow, tel un vagabond, ah bon, mais je reste un bon gava, un brin brigand, je reste fringant, mon franc-parler arrogant, déferle tel un ouragan. J'artiste quand c'est rageant, affligeant de voir ce que l'argent est capable de faire aux gens. Mais je reste indulgent, y a pas d'urgence pour en sortir avec l'intransigeance de ceux qui espèrent mon allégeance à ce doux monde de négligence, cette sorte d'immense agence de notation de la démence. Mais c'est pas moi qui braque la diligence ou qui tire sur l'ambulance. Alors j'artiste contre l'intelligence, au nom de quelle exigence devrons-nous être un stratège de la vengeance intelligent aux mille cortèges, mais loin de trouver la convergence du nouvel air en mes vers. Loin de trouver la convergence d'une nouvelle ère en émergence. J'artiste en non-violence comme on pisse dans un violon. On viole notre conscience faisant de nous des félons, des fêlés, des filants sans filer, filant à l'horizon pour ne pas se faire enfiler. Mais qu'est-ce que nous voulons? J'artiste en reculons, passons pour nos soupçons pour façonner notre unisson, car l'unité est-elle un nourrisson se tenant prêt pour la leçon? Ce nourrisson, c'est sans façon qu'il deviendra un grand garçon. Ça m'en donne des frissons, mais je traîne encore en caleçon. Je traîne encore en caleçon. Tout ça car nous méconnaissons la mécanique, la rançon faisant de nous des assassins, versant le sang sans verser de larmes comme la sagesse sort des versets, mais personne n'en est éclaboussé, on se dit bien pensant, j'artiste pour nos regards malsains, trahissant nos espoirs d'être un jour saint. Par un amour des plus puissants, parce qu'on veut du sang, on veut du sang, on veut du lard sain, du lard bain, de lard bien, ou bien du lard bien gras, y a pas que des jambons à la tête de l'art. J'artiste, et c'est bonnard, je prends un sacré panard, je reste peinard, vénard, je narre une histoire loin d'être un bobard. Je reste hilar et déclare que j'artiste sans canular, range ta mallette, tu peux garder tes dollars. J'artiste pour de l'air pur, mais pas pour du vent puré, je voudrais être clair. J'artiste prenant les devants, sublimant la colère, bien avant d'être obscur, l'art comme une cure. En un éclair, cesser de se salir parce que salaire et galère, tous deux sont similaires. Tout ça, c'est encore trop scolaire. Regarde ce que l'on tolère. Au lieu de se déplaire, ne pourrait-on pas aller vers un monde un peu plus solaire? Oh, j'artiste tout un vocabulaire pour ceux qui sont patibulaires, pour ceux qui veulent être exemplaires, pour ceux qui veulent un bon bol d'air. J'artiste, et à travers cette traversée, j'espère cesser d'être versatile. J'artiste des faits divers, faire diversion, car j'ai de l'aversion pour les diverses versions de nos calvaires. J'artiste pour ceux qui ne passeront pas l'hiver. Et à travers cette traversée, j'espère cesser d'être versatile, car c'est vers cette île que je m'en vais. Cette île sans péril, fertile, utile et subtile sera sans doute mon domicile entre ciel et terre. Être ce mystère, artiste volontaire pour faire éclore un monde de lumière. Alors là, normalement, c'est fini, quoi. Enfin, le vidéo, le teaser, comme on dit en anglais, le speech teaser, est terminé. Mais le spectacle, lui, ne fait peut-être que commencer. Donc voilà. Je crois qu'on va arrêter là avant de faire complètement péter tout, quoi. Ouais. Comment ça s'éteint, ce truc-là? Donc, éponyme, MC éponyme, la compagnie de l'harmonie, dans l'association plus oui moins non.
On va vous envoyer tout ce qu'il faut pour nous renvoyer des réponses positives plein gaz partout en France, Navarre, tous les pays francophones, jusqu'au Québec, voire même l'Afrique, on s'en fiche tant qu'on comprend le langage français, parce que comptez pas sur moi pour chanter anglais, c'est hors de question. Ou avoir un blaze à la con, quoi. Non mais c'est sec. Donc voilà, je crois que tout est dit. On va pas ni redire, ni médire, ni ne sous-entendre. J'espère à bientôt. Moi j'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé. voilà, kiss, bis, love, peace, blablabla, blablabla, etc. Et tout.